Parti. Nous allons parler de la forme de CMTV. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'instant M. Impossible d'y échapper si vous vous promenez sur les réseaux sociaux. Des vidéos courtes, rythmées, très colorées, souvent sous-titrées, pour qu'on puisse les regarder sans le son. Elles sont diffusées par des médias en ligne qui veulent capter le public là où ils se trouvent sur facebook et sur twitter et pas ils n'ont pas de site internet encore moins de support papier tout passe par les réseaux sociaux. Depuis quelques mois, en France, aux côtés de Brut et de Loopsider, Agiplus s'est installé sur ce créneau de l'info en vidéo, virale si possible. La directrice générale d'Agiplus est mon invitée ce matin, elle vit à Doha au Qatar. Oui car Agiplus, c'est loin d'être un détail, appartient au groupe Al Jazeera, empire médiatique détenu par la famille royale qatarienne. On va voir avec Dima s'il est dangereux pour un média d'information de dépendre uniquement de Facebook et de Twitter. Et quel est le degré d'autonomie, d'indépendance, d'agir plus à l'égard du régime qatarien? Dima Katib est journaliste et traductrice de formation. Elle parle huit langues, dont le français, ce qui nous arrange pas mal ce matin. L'instant M, Dorothée Barba, sur France Inter. Bonjour et bienvenue, dit macatib. Bonjour, bonjour. Pourquoi n'est-il écrit nulle part sur la page Facebook d'AgiPlus que vous appartenez au groupe Al Jazeera Non, non, si c'est écrit sur notre landing page, notre page d'atterrissage, si on, va, on veut l'appeler comme ça, c'est-à-dire agiplus.net, ça existe pour toutes les langues, en quatre langues, arabe, français, anglais, espagnol. Vous pouvez avoir accès sur l'information directement sur la page. Euh, de quoi il s'agit Qui agit plus et c'est marqué en bas, Al Jazeera Media Network. Pourquoi et on ne le cache pas en place. plus, ça veut dire Al Jazeera, c'est un plus par rapport à Al Jazeera, mais on pensait que Al Jazeera, c'est très long pour les réseaux sociaux. Donc on a fait plus, mais on ne se cache pas du tout. Et ça m'a. Je, je trouvais marrant euh, que vous disiez la famille, euh, la famille royale parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. La Jazeera, ça n'appartient pas à la famille. La famille, c'est une famille. Nous, on est un projet euh, financé par l'État du Qatar, comme la BBC, comme France 24. C'est pas une famille, c'est-à-dire moi, je ne reçois pas des appels de la mère famille famille du qui Qatar est au pouvoir ou... au Qatar, effectivement. Bah, euh, oui, mais c'est l'État quand même. Il y a un mm. État au Qatar. ce n'est pas une famille. Euh, une, oui, une, la famille est, est au pouvoir. Mais nous, nous appartenons pas à, à la famille royale Altani. On n'a pas de contact avec la famille Altani. Et, et voilà, je trouvais ça, je, je trouve toujours très marrant comment on nous présente parce que euh, ça, ça se voit que bon, on n'est pas très bien compris des fois peut-être on est vraiment un média moi je suis vraiment une journaliste et, euh, et j'ai fait une carrière de 21 ans avec Al Jazeera de journalisme partout dans le monde vraiment. dans avez... cinq continents ai vous avez notamment euh, dirigé une agence d'Al Jazeera en, en Amérique latine on va revenir oui. en détail sur oui. Algiplus dans quelques instants on jette un coup d'œil d'abord si vous le voulez bien à l'actu des médias en quelques brèves avec une avalanche d'hommages toute la journée d'hier à l'annonce de la mort de Philippe Gildas à 82 ans, Philippe le prêtre, de son vrai nom, restera associé à nulle part ailleurs émission emblématique du canal Plus des années 90. Antoine de Cônes, à qui l'on doit les plus beaux fou rires de Gildas à la télé lui consacre une émission radio spéciale aujourd'hui ça s'annonce évidemment formidable. Rendez-vous entre 16h et 17h sur Inter. Elle aussi, elle était formidable. Dans un tout autre registre, la famille Beaumont sur TF1. Annie Dupéret, Bernard Lecoq et leurs nombreux enfants, des adultères en pagaille, des secrets de famille, des divorces, des remariages. Une famille formidable s'est terminée. TF1 l'a annoncé ce week-end dans une bande-annonce. La 15e saison qui sera diffusée cet hiver sera la toute dernière. Le premier épisode a été diffusé en 92. Le créateur de la série qui portait cette famille formidable depuis 26 ans, Joël Santoni, est mort en avril dernier. Il est apparu pour la première fois dans le huitième épisode de la première saison, en même temps que Krusty le clown, l'épicier d'origine indienne, est vite devenu un personnage récurrent des Simpsons. Eh bien, il est désormais supprimé, vous ne verrez plus Apu dans les Simpsons. Là, voilà le premier mini-marché du monde. T'as pas intérêt à oublier le site Il faut que vous critiquiez tout ce qu'on fait. L'épicier de Springfield était au cœur d'une polémique depuis l'année dernière. Un documentaire intitulé The Problem with Apu accusait la série de véhiculer des clichés racistes via ce personnage. Les producteurs ont annoncé que le personnage était tout simplement supprimé. On ne le verra plus dans les nouveaux épisodes, tout comme sa femme et leurs enfants. Et je rappelle que Dima Katib, la patronne d'Agi Plus, est mon invité. Je suis curieuse d'avoir votre réaction sur cette affaire à Pou dans Les Simpsons. Est-ce là le, le triomphe du politiquement correct, à votre avis ah, Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment suivi l'affaire. Je ne pourrais pas la commenter. Euh, donc, oui, voilà. Bon, pas de commentaire. <laughs> non. Pas de commentaires je n'ai pas vraiment suivi. Directrice générale d'Agiplus, hein, je le rappelle, média d'information numérique présent uniquement sur les réseaux sociaux, en anglais, en arabe, en espagnol et en français depuis euh, décembre 2017. Voilà. Alors la page Facebook d'Agiplus en français regroupe pour l'instant 380 000 fans. On est loin, très très loin des 11 millions que compte votre version anglaise. Mais on est loin aussi des chiffres <coughs> affichés par Brut, qui est votre concurrent direct en France, 1,6 million. Quelles sont les ambitions d'Agiplus en France, dit Makatib. Alors je dois dire que le, le nombre de followers, comme on les appelle oui. sur Facebook, abonnés sur YouTube, etc., ce n'est pas vraiment notre indication du, de, de, de succès parce que on, vous trouverez que CNN ou même Al Jazeera en anglais, ils ont beaucoup plus de followers sur Facebook, Agip plus anglais, mais, oui, mais vous, on a vous, beaucoup vous plus d'impact. uniquement sur les réseaux sociaux, justement. Oui, mais oui. on a beaucoup plus d'impact parce qu'en fait, c'est le taux d'interaction qui nous intéresse. Alors, notre taux d'interaction est le plus élevé dans le marché français. Depuis, depuis qu'on a commencé, en fait, on a, on a construit cette, ce taux d'interaction et on de continue qu de que quelques Qu'est-ce que c'est précisément le taux d'interaction Alors, c'est combien de partage ouais. euh, par par histoire combien de commentaires combien de likes alors j'aime j'aime pas je suis fâché je suis heureux etc euh, c'est ça en fait le taux d'interaction. Donc, donc en fait, si c'est l'impact suis... de, 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 de la vidéo. Même si je ne suis pas fan d'Agis Plus sur Facebook, si je vois passer une vidéo et que je la partage, je suis comptabilisée dans votre voilà, taux d'interaction. Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment le taux d'interaction. Et nous avons le taux d'interaction le plus élevé dans le marché français selon nos études. Et, et en fait on, fait, on fait cette étude de façon hebdomadaire pour voir notre progrès. Alors, quelle est notre, notre ambition C'est la même qu'on a partout dans le monde où on, on, a, on offre un contenu différents, certainement, et ça, je crois que les gens l'ont noté, on donne de l'espace à ceux qui n'ont pas de voix. Voilà, parce qu'on considère que si, euh, si déjà les pouvoirs, par exemple le pouvoir en général, a de l'espace dans les médias, il ne faut pas donner au pouvoir le même espace qu'on donnerait aux citoyens ou aux moins privilégiés, parce que comme ça, on va renforcer le pouvoir médiatique a déjà le pouvoir. Donc en fait, on essaye de donner une version différente de, de des histoires depuis le point de vue de notre audience. C'est très humain ce qu'on fait. On ne parle pas de la politique depuis le point de vue, comme Al Jazeera le ferait par exemple à la télé, point de vue euh, d'un politique. Non, on parle toujours du point de vue de l'audience. En fait, l'audience nous nourrit tous les jours, euh, nous envoie des idées. Et souvent, nos histoires les plus euh, qui ont le plus succès, c'est vraiment l'audience qui nous a envoyé les idées. On reçoit des idées tous les jours. Qu'est-ce qui vous distingue de Brut, puisque c'est votre concurrent en France Oui, hein. alors, euh, moi, je, je pense que... C'est marrant parce qu'en fait, Brut s'est basé sur AJ, pour se lancer dans le marché français. C'est vrai a été précurseurs en termes de, de ce qu'on ah appelle oui, oui. le cross-média, faire du, voilà. du journalisme sur tous les supports, y compris sur les vidéos très courtes, très rythmées. Voilà, mmh. AJ, était le, le premier aux États-Unis. Avec Nausis, on, on s'est lancé en même temps. Et Brut nous a copié en France avant qu'on arrive dans le marché français. C'est ça, France, c'était là avant vous, en tout cas. Mmh. Oui, c'est fascinant. C'est de l'apprentissage continu, euh, continu. Donc, nous, on regarde ce qu'a fait Brut pendant ces dernières années on apprend aussi c'est moi j'adore ce, ce genre d'expérience alors qu'est ce qui nous différencie je crois que euh, le format euh, ça peut paraître comme euh, identique mais en fait c'est pas identique parce que nous on fait euh, un type d'histoire qui n'est pas toujours basé sur l'actualité on fait des vidéos, ce qu'on appelle les vidéos de contexte, c'est-à-dire on explique les phénomènes ou les concepts en général. Et puis on, on fait beaucoup d'histoires très humaines, très, très proches de l'audience. Euh, je trouve que Brut est beaucoup plus français. Nous, on, on fait beaucoup plus de l'international aussi. Ils font aussi de l'international. Mais moi, je trouve que c'est une concurrence très saine. Et j'aimerais bien même voir si on peut euh, avoir une collaboration avec Brut. On le fait aux États-Unis avec nos concurrents. Alors, ils prennent nos histoires, ils les diffusent chez eux. Nous, on prend leurs histoires, on les diffuse chez nous. Dans le monde digital, ce n'est pas comme la télé et les, les journaux. Ici... Tout est possible. Il y a la place pour tout le monde ou il y aura, à votre avis, un écrémage dans quelques années de ce, tous ces sites numériques qui diffusent uniquement Très sur les réseaux sociaux. Question. Dorothée, je crois qu'il y a toujours de nouveaux espaces qui se créent dans le monde donc on n'aurait pas pensé il y a 20 ans qu'on serait là en train de parler de médias qui existent seulement sur les réseaux sociaux et on n'aurait jamais imaginé avoir plus d'audience sur Facebook qu'à la télé On en vient naturellement à la question du modèle économique, dit Makati vos vidéos ne sont disponibles que sur le réseau sociaux est-ce que c'est pas dangereux pour n'importe quelle entreprise de, de dépendre à ce point de Facebook et Twitter et d'éventuels changements des algorithmes rythme à l'avenir. Oui, c'est dangereux. Mais moi, je préfère toujours penser, euh, parce que je viens quand même du journalisme, je préfère toujours penser que c'est nous, les journalistes, qui, euh, en fait, euh, trouvons une opportunité pour arriver à plus de gens. Peut-être c'est limité par quelques restrictions, peut-être c'est temporaire, mais c'est une opportunité incroyable pour raconter des histoires, c'est une opportunité incroyable pour savoir qui est de l'autre côté. Et d'ailleurs, je dois dire que... Euh, euh, comme on parlait tout à l'heure de brut de nos concurrents, sur Facebook, on, on arrive à savoir par exemple combien de femmes et combien d'hommes euh, nous suivent. Et par exemple, ah, voilà Plus, oui, par, par rapport à la plupart des médias euh, digitaux dans le monde, de, pas seulement dans le marché français, a le taux d'interaction le plus élevé de femmes par rapport à hommes. Dans toutes les quatre langues, en fait, on a plus de femmes que, que d'hommes dans les rédactions et, et dans les autres sections. On a 53% de femmes. Et dans la prise de décision, on est 50-50. Donc moi, je suis très fière de pouvoir utiliser un, un endroit comme Facebook ou Twitter comme outil, non seulement pour raconter des histoires, mais aussi pour comprendre mon audience et pour interact, act, interactuer Mais avec vous pourriez YouTube. utiliser les réseaux sociaux pour attirer le public vers votre site d'info, comme le fait par exemple Combini en France. Oui, c'est un autre modèle, mais c'est différent. C'est-à-dire que le, notre audience vit sur les réseaux sociaux. Alors moi, mais sur vais... Facebook, sur Twitter, il y a de la censure parfois aussi. Oui, parfois aussi, oui. Et il faut le combattre. Et puis si, si vraiment Mais s'exposer devient... chez eux, c'est respecter leur loi. Oui, respecter leur loi, comme on respectait avant le loi des, euh, des, 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 des par exemple, des compagnies, des sociétés de câbles ou euh, satellites. Eux aussi, ils nous coupaient des fois, ils mettaient des conditions, c'est la même chose. En fin de compte, ce qui compte, quel journalisme tu vas faire avec les outils qui existent dans le marché pour arriver à, tes, à ton audience. En fait, c'est ça. Le journalisme qu'on fait, pour moi, ça définit tout. Ce n'est pas important si je suis sur un réseau social ou sur, dans un journal ou sur la télé, quel journalisme je fais dans ces, dans ces espaces. Est-il envisageable de faire payer un jour les internautes pour avoir accès à vos contenus Nous, non. Jamais non, non, non. Promesse. Moi, je ne voudrais jamais et je n'accepterai jamais. Alors peut-être, euh, peut-être dans un schéma différent dans l'avenir. Non, c'est pas. Je, je crois que c'est, c'est un droit l'information. C'est un droit. C'est pas, c'est pas un produit commercial pour moi. Et d'ailleurs, on ne fait pas de publicité. Hein. Mais si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Mais si c'est gratuit, pardon, c'est que c'est toi le produit. C'est ce qu'on dit souvent sur Internet. <laughs> c'est les données personnelles de l'internaute qui intéressent avant tout les opérateurs bah, Notre audience, c'est nous, en fait. Euh, oui, je suis d'accord que notre audience, c'est nous. Nous, c'est l'audience. Et si on commence à, à, à faire un, un, une transaction commerciale, euh, il y aura d'autres intérêts. Et ce n'est pas le journalisme qu'on voudrait faire qu'on pourra faire. Alors, venons-en à vos relations avec le Qatar, si vous oui. le voulez bien. Agi Plus appartient, on le disait, à Al Jazeera, chaîne d'info créée en 1996. Oui. L'ambition à l'époque, il faut le rappeler, hein, c'était de rivaliser avec CNN, de raconter le monde du point de vue arabo-musulman. Et on l'a fait. Al Jazeera est très vite devenu une référence dans le monde arabe, une chaîne qui, euh, qui offrait des débats très contradictoires. C'est un empire médiatique aujourd'hui. Mmh. Une chaîne anglophone qui est née en 2006, des chaînes pour la jeunesse aussi, des chaînes sportives dont fait partie Be Sport en France. Ah oui, mais attention, euh, Be In Sport ne fait plus partie d'Al Jazeera, c'est Be à, à la création ils sont devenus très, très grands. Mmh. Et euh, donc, c'est maintenant Be In. Ça n'a rien à voir avec Al Jazeera, mais moi, je suis fière qu'on ait créé cette base. Et aussi, le, les enfants et la jeunesse, les chaînes. Ça fait pour partie enfants. de l'histoire de, de cet empire voilà, médiatique. Voilà, voilà, de notre héritage, oui. Et donc, ce média 100% numérique, 100% réseaux sociaux. Est-ce qu'il est imaginable un jour de voir, par exemple, hein, sur AJ, un reportage critique à l'égard du PSG qui appartient en Qatar ah oui, oui, absolument. Mais en fait, nous, on fait tout le temps des vidéos critiques au Qatar, surtout en arabe, parce que c'est la langue qui intéresse le plus l'audience qui s'intéresse au Qatar. On le fait tout le temps. Et d'ailleurs, les gens, ils sont toujours épatés, étonnés pour comment ça se fait que vous, êtes, vous faites une vidéo, vous critiquez les relations du Qatar avec Israël. Par exemple, quand le Qatar reçoit des, des athlètes israéliens, on est les premiers à faire une vidéo à parler avec des Qatariens qui ne sont pas d'accord et, et franchement on, on a on a toute la liberté de faire ce qu'on veut sur le Qatar sur les autres pays euh, peut-être on en fait pas très souvent parce que le Qatar est un pays très très petit et c'est pas aussi important que je sais pas d'autres pays dans le monde mais comme l'Arabie Saoudite qui est, est un, un ah, grand oui. rival du Qatar dans la région et qui est souvent épinglé par Ag oui, oui, mais l'Arabie saoudite n'est pas, vous dites rival, mais en fait, l'Arabie saoudite s'acharne sur Al Jazeera et agit plus. Moi, je suis sur les listes noires de, de, des Saoudiens, des Émiratis. Moi, personnellement, je suis attaquée tous les jours sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone, avec des menaces, comme quoi on va, on va te découper, comme on a coupé le, 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 le journaliste saoudien. Quelle musique tu voudras avoir quand on découpe avec ton fils, en plus. Tous les jours. Hein. Mais nous, on ne baisse pas notre journalisme à ce niveau. On ne répond pas à tout ça. Ce qu'on fait seulement, c'est de l'information. Et attention, quand l'Arabie Saoudite fête un truc, euh, célèbre un, un, un truc, comme par exemple donner à la, à la, à la femme enfin le droit de conduire, nous on célèbre avec, parce que c'est l'homme et la femme qui nous importent, c'est pas les États, c'est pas les gouvernements, c'est pas le pouvoir. Écoutons un extrait d'une vidéo récente diffusée sur Rg+. Le terme initial LGBT est né dans les années 90 pour remplacer le réducteur communauté gay. Il s'est progressivement enrichi et étendu pour devenir de plus en plus inclusif. Aujourd'hui en France, LGBTQI est plus communément utilisé, le plus désignant toutes les typologies non mentionnées dans LGBTQI. Mais que veut dire chacune des lettres de LGBTQI Et surtout, quelles lettres se cachent derrière le plus On vous explique le lexique derrière LGBTQQIP2SA. Ça peut sembler un peu baroque en France, hein, ces très très longs acronymes. Oui. Est-ce qu'il n'est pas un peu contradictoire, dit de multiplier les vidéos de défense des droits LGBT tout en étant financé par le Qatar, où, je parle sous votre contrôle, l'homosexualité est interdite bah, C'est-à-dire que... Nous, ça, c'est un produit français dans le marché français, mmh. comme notre produit en anglais dans le marché américain, comme notre produit espagnol dans le marché, marché mexicain, latino-américain. On s'intéresse à ce qui intéresse l'audience. Alors, c'est un thème très important, c'est un sujet très important aux États-Unis, au Mexique et ici. On va le faire, on n'a pas peur. Et, et c'est pour moi, c'est une raison de plus de vraiment penser qu'on peut faire le journalisme qu'on peut faire. C'est un sujet qui pourrait être tabou dans la, dans la société qatarienne, salé. Mais ça ne m'empêche pas moi de faire un sujet comme ça et plein d'autres sujets sur l'homosexualité ou sur n'importe quel autre sujet qui intéresse mon audience dans le marché euh, de ce produit. Pour moi, c'est génial. Alors, est-ce que je pourrais parler de l'homosexualité au Qatar J'aimerais bien quand c'est un sujet pour les Qatariens. On vous accuse souvent voilà. d'être le bras, euh, le bras soft power <laughs> de la politique étrangère du Qatar dans le monde entier. Qu'est-ce que vous répondez à ça, des Kassab? Bah, euh, franchement. Euh, si on était vraiment ça, on n'aurait pas gagné tellement de prix, même dans le marché américain. On, gagne. on vient de gagner un prix Online Journalism Award, c'est un des prix les plus prestigieux des médias digitaux dans le monde. On l'a gagné pour notre projet Verificado, on a vérifié l'information au Mexique pour l'audience mexicaine. Franchement, je trouve que ces, ces accusations, notre produit les nie, je n'ai vraiment pas besoin de commenter ça. AgiPlus est-il un média d'opinion Ce sera ma dernière question des fois oui oui, des fois oui et je, je suis je, moi je ne suis pas pour le journalisme neutre ça n'existe pas je suis pour un journalisme euh, très professionnel on va pas mentir on ne va pas cacher des trucs si on fait une pièce d'opinion il faut le dire que c'est une pièce d'opinion c'est là l'honnêteté de faire du journalisme d'opinion c'est important le journaliste a une opinion mais il faut juste préciser que ce n'est pas des faits c'est une opinion. Voilà. Merci beaucoup, Dima Katib, directrice générale d'Agiplus, en arabe, en anglais, en espagnol et désormais en français. Très bonne journée à vous.